Bonjour mesdames, bonjour Éléonore. Bonjour Martine. Aujourd'hui, on voudrait vous présenter les différences entre nos compagnies de bas et on a une spécialiste au niveau des bas aujourd'hui avec nous. Alors tout d'abord, la question qu'on se pose souvent quand on va chercher un bas, c'est est-ce que c'est un bas nylon ou un collant? La différence entre les deux, c'est au niveau du denier qu'on appelle. Les deniers, c'est ce qui va faire que notre bas qu'on va mettre va être transparent ou plus opaque. Quand on va vers un denier plus bas, par exemple du 15 ou du 20 deniers, c'est là qu'on va aller vers, par exemple, quelque chose de très transparent. Un bas de nylon 40 deniers, c'est ça ici en ce moment-là. C'est encore transparent, mais c'est un peu plus opaque. Puis quand on va vers le vrai collant, on a encore une fois des deniers. Du 50 deniers, c'est du collant, mais il y a encore une légère transparence si on regarde. Versus, il existe même du 100 deniers dans le collant, qu'on va appeler souvent microfibre, complètement opaque. Alors, pour conclure cette petite capsule, je vous ai sélectionné des bas Philodoro pour nos soirées qui s'en viennent. Philodoro, c'est une compagnie qui vient d'Italie, qu'on tient dans nos silhouettes lingerie. Notre premier, c'est notre bas collant extrêmement opaque, le 100 deniers, qu'on ne voit pas du tout, le fil à l'intérieur. Très bon collant pour nos soirées. Le deuxième ici, c'est un bas culotte gainant. On voit que c'est un 30 deniers, donc quand même opaque. Il vient gainer notre cuisse, puis notre ventre. Donc, à travers nos robes, ça paraît très, très bien. Le troisième, c'est une culotte qui fait sans démarcation. On voit que c'est un 15 deniers. L'intérêt aussi, c'est que si on porte une sandale, ça paraîtra pas parce que le bout de notre pied n'a pas de couture. Donc, très bon produit pour nos sorties. Et notre dernier, notre grand vendeur, le Aurora 15, c'est un 15 deniers qui va dans toutes nos soirées, même en été, c'est un bas qu'on vend beaucoup. Alors, bonjour! Maintenant, je vais vous parler de notre compagnie Bleu Forêt, qui est une compagnie qui vient de France. C'est une compagnie de bas. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont tous des bas dans des compositions naturelles, donc de la fibre de coton, de la fibre de la laine, du cachemire, de l'alpaga. Alors, ce que je vous présente d'abord dans Bleu Forêt, ce sont nos bas de coton. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas de couture au niveau de la cheville, donc il n'y a pas de serrement. Puis, on les porte à l'année. Ils respirent très, très bien. Quand on a plus froid un petit peu, on peut aller chercher le bas en laine mérino, la même épaisseur, doublé à l'intérieur en coton. Donc, ça ne pique pas, mais ça vient nous procurer notre petite chaleur. Donc, ce bas-là, c'est un très gros vendeur, autant en été qu'en hiver. Alors, quand nos températures froides arrivent au Québec, on a besoin de bas pour nous réchauffer un peu plus. Bleu Forêt nous offre des bas comme ça qui viennent vraiment nous aider à nous promener à l'extérieur et à profiter de nos journées malgré le froid. Celui que j'ai dans mes mains en ce moment, c'est un laine et cachemire. Mais il y en a aussi alpaga, seulement laine. On voit qu'on a une belle épaisseur de bas. Ceux-là ont une couture au niveau de la cheville, mais c'est pour mieux les tenir. Puis, on a même un collant qui monte à la taille dans leur laine mérino, qui, comme leur bas laine mérino, est doublé en coton à l'intérieur. Donc, il ne nous chauffe pas, il ne nous pique pas, mais il nous procure la chaleur dont on a besoin au Québec. Je vous souhaite de passer un bel hiver.